Olivia, vous y êtes assez vite. Elle a essayé le nouveau périple, nouvelles vacances, au bout de un mois et demi. On est arrivé tout à l'heure, 1h30. Et on va dire là, à l'auberge jeunesse, que j'ai oublié de prendre avec moi. Et maintenant, j'ai très honte. Oui, comme le matin voyage. Et maintenant, on va manger. On va essayer de trouver quelque part pour manger parce que mon GPS nous a fait perdre. Oui, et je sais pas si c'est bon, plus avec ces arbres là, je sais pas, tout sortir dans ces arbres là. Bref, il fait assez chaud, donc franchement je suis contente. Ouais, ça c'est top, franchement. Ouais, donc franchement on est très contente. Oui, il y a du soleil et tout, c'est trop bien. Il y a du soleil, on a chaud comme ça. Bon, après j'ai un petit peu de dessus, mais on a chaud. Je te rassure, même moi avec un petit truc là, j'ai chaud. Et donc, je sais pas si. Je pense que ces arbres vont rentrer. Il va y avoir un truc spécial. Parce que tout le monde prend une photo avec ces arbres, mais on sait pas quoi. On y est en train de faire la terre. Pour le moment, on a faim. Et je ne sais pas où on est. Voilà, ça commence bien. Pourquoi t'en dire là? Et nous, la sortie de ce parc. Là-bas. Et ça change pas au milieu de la route. C'est là-bas, je le vois. Alléluia. Putain, on y était il y a 2 secondes. C'est ça. Putain, on aurait continué la route. On y était il y a 2 secondes. Et du coup, ce que vous voyez là, c'est l'université, il me semble. Ouais, c'est l'université. Ça. Nous n'avons pas ça chez nous. Non, nous, l'université, voilà. C'est tellement moche qu'on n'a pas envie d'y aller. Ceci est l'université. Je sais pas si on peut rentrer dedans. À voir, regarde, ça a l'air ouvert. Ouais, enfin, on verra ça tout à l'heure. On est étudiants. Ça va pas là. A priori. Oui. Elle a l'air super bien quoi devant, ouais. Ça se passe. Limite, ça donnera envie d'aller en cours. Non, quand même pas, t'abuses. Un petit peu. Non, juste visiter. Ouais, on peut tenter. Bah, y a des gens qui sortent, des vieux, donc je pense que oui. Mais elle est fermée en fait, regarde. Et bah, cours, genre... Mais c'est dimanche. Ah oui. Oh putain, t'es bien. Mais tu peux rentrer dans les jardins de l'université comme ça, tranquille, faire c'est ton ça, vélo. Tranquille. Et au fait, c'était là. Alors, j'ai mis mon téléphone à charger aux toilettes juste derrière là-bas. Et du coup, je surveille et j'observe les gens qui se sortent sans se laver les mains. Sauf que lui, je pense qu'il est resté à se laver les mains. Pour tout le monde. Pour tout le monde qui ne s'est pas lavé les mains juste avant. Nous aussi on voulait aller dehors madame, vous n'avez pas dépassé le table pour nous hein. Pas d'accord. Donc voilà, je surveille mon téléphone. Fini de manger, bienvenue dans l'université. Donc voilà, on va faire un petit tour de l'université pour ce que ça donne. Et normalement il y a la place d'Espagne pas trop loin, je suis 100 mètres apparemment, donc on va essayer d'aller voir. C'est 2h moins le quart, on a l'auberge jeunesse à 2h. Heures, ouais, même si on arrive vers 2h30, c'est bon. Ouais, quoi. Justement, ça laisse un peu de temps. Voilà. Les meufs pour presser. Déjà qu'on a ramené les valises, qu'elle nous a fait à 6 à partir de 2h, donc bon, voilà.
Donc on va voir ça et c'est tout. À tout à l'heure. Oui, on voit une petite Starbucks. Donc on va vers là-bas, je sais pas, il y a l'air d'avoir de l'animation, de la musique. Starbucks. Ah, Agatha, ça m'intéresse. On est mal barré, les gars. Ça, je sais pas où on est, je sais pas si c'est la place d'Espagne ou pas, je crois pas du tout. Non, c'est mais pas ça dit, c'est ça, pas. Mais c'est vachement vivant. Et voilà, on a vu un hyper beau hôtel 5 étoiles juste derrière nous, c'est magnifique. C'est pas là où nous logeons, évidemment. Voilà, un Dunkin' Coffee. Alors après la folie du Starbucks, on a la folie du Dunkin' Coffee, je sens. Mais la seule fois où ils ont trouvé, c'est en Espagne, c'est à Madrid. Et on a en Espagne, là. Jusque là, ça va. C'est pas trop petit. Et il y a le Dunkin' Coffee. Oui, Seigneur. A bientôt le Dunkin'. Voilà, c'est ça. Ah non, pont. Pas que à Madrid, on avait à Tarragone. Exact. C'est pas vrai. Donc en Espagne. Il y en a pas en France, je crois. Mais je pense qu'on va le faire dans le bon sens. Donc derrière nous, il y a la cathédrale là-bas. Je sais pas si vous venez. Du coup, il y a la cathédrale. Et sauf qu'il y avait une queue de malade, du coup, il n'est pas allé. On verra peut-être demain. Ou tout à l'heure, vu qu'elle ferme à 18h et demain, c'est de 11h, de 11h à 15h. Et là, ouais. Et là, c'est seulement de. Enfin, non, de 14 à 18h. Demain, c'est seulement de 11h à 15h. Et aujourd'hui, c'est de 14h30 à 18h. Et c'est juste que là, c'est absolument de la même nuit. Je ne sais pas qui l'a coulé. C'est-à-dire que, ouais, bah, c'était même, c'est 14h27. C'est-à-dire que ça devait être tard ou quoi. Et c'est bien de nuit déjà. Donc, on verra ça plus tard. Il y a un jardin des orangers, un peu. Comme à Rome-Provence. Du coup, on va peut-être prendre l'entrée. Ici, il y a la cathédrale juste ici qui est juste magnifique, gigantesque. Et ça va être sublime à vérifier, à visiter. Et là, ça. Et il y a toujours genre, plein de calèches et tout partout. On va aller faire de la calèche. On va pas aller faire de la calèche. Oui, non, la calèche, tu vas me faire du chameau à la carotte. Donc, oui, j'avoue que dans pas longtemps, c'est du chameau. Donc à choisir ta question. Ah, l'entrée là. Ressemble à ça. On va aller voir les prix ou quoi. Et on vous tient au courant. On a visité les jardins d'un Tazar. D'un Tazar, du coup. Et on a oublié de vlogger. Alors c'était juste magnifique, je pense qu'on a oublié de vlogger le poudon. On s'est posé. Ouais, parce qu'il y avait des photos. Starbucks et on s'est décidé sur ce qu'on allait faire. Voilà. Et du coup, on a un programme assez chargé. Pas beaucoup de temps, je pense. C'est pour ça qu'on doit faire. Si, je pense que ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller. De ce qu'on voulait. Il y a surtout que c'est vraiment un peu excentré. On va galérer parce qu'on n'a pas de plein de photos plus. Et on voilà. Sait pas, genre, pour les plus, on a du mal. Voilà. Et qu'il y a une ligne de métro, mais qui ne va pas du tout voilà. Où aller. C'est-à-dire qu'elle dessert tous les trucs, sauf tous les trucs touristiques. Enfin, elle dessert rien, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a 4 points sur la gare, sur les 5 de métro. Et elle dessert aucun truc touristique à part... Il y a un point noir à Paris, d'ailleurs. L'auberge, franchement, ça va, on a eu une meuf dans la chambre, on l'a pas encore rencontrée, mais c'est une française. Elle lit des livres en français, là. Parce que on peut pas parler sur... On peut rien dire, ça va être pas mal. Voilà. Et enfin, je sais pas, après, sur une univers, je pourrais en parler.
aussi. Avec des gens. Mais bah, pas forcément des Français. Pas forcément des Français en fait. Donc c'est un peu dommage. But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Cause someone call a referee. Cause I just need one more shot. Have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once. Bouge pas. Combien de temps comme tu dis? Torre del Oro, qui est une butte vraiment pas loin du Guadalquivir. Et en fait, on voit ça avec le soleil qui se couche là, c'est juste magnifique. Au bord du Guadalquivir. On aperçoit genre là-bas. Très au loin, hein, quand même. C'est pas genre la roue, je sais pas ce que c'est, mais c'est sur la carte. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être joli la nuit si c'est éclairé ou quoi que ce soit. Et donc, la Torre del Oro, donc la Tour de l'Or. Mais je n'ai pas d'histoire. Merci pour cette traduction quand même. Mais je n'ai pas d'histoire. Je vais pas regarder. T'imagines qu'ils sont en train de pêcher dans le fleuve? Ils sont en train de pêcher? Là. Oh. Bon, ça va être pour le plaisir, tu vois, pas pour les bouffer, j'espère pas. So let me redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot.